Alors, le monstre phare du deck étant le roi musicien qui demande sorcière de la forêt noire et dame de la foi, nous allons jouer en x3 la dame de la foi. Voilà, monstre normal, tout simplement. Au stat assez. C'est nul! Ensuite, nous allons jouer 3 sorcières de la forêt noire. Elle, en plus, elle est pas mal. Si elle envoie du terre au cimetière, on ajoute un monstre avec une défense de mi-5 ou moins depuis notre deck. Voilà. On peut pas activer de cartes et d'effets avec ce nom le reste du tour, hein, mais c'est toujours une tuto intéressante. On va jouer 3 fois le roi des marais. Il nous permet d'aller chercher une puo. Il nous permet d'aller chercher une polymérisation aussi, ou une défausse. Et en plus, il peut se substituer à un monstre qui est spécifiquement listé sur un monstre de fusion. Donc il peut prendre le nom de sorcière de la forêt noire ou dame de la foi. Donc x3, c'est très bien. On va jouer 2 veilleurs de la magie du dragon. Ça reste un monstre très puissant lorsqu'on veut faire des fusions. S'il est invoqué, on défausse une carte. Et on ajoute une polymérisation ou une fusion normale. Une magie où il y a écrit fusion, mais une magie normale. Depuis notre deck à notre main. Donc sachant qu'on aura déploiement fusion, fusion magicalisée et évidemment la polymérisation. Il y a un autre effet. On peut réveiller un monstre de fusion de notre extra deck et spé un de ses monstres de fusion, un de ses matériels qui est listé dessus depuis notre cimetière en défense face verso. Donc on peut respé sorcière de la forêt noire ou dame de la foi du cimetière. x3, il est vraiment bien. On va jouer un des ténèbres fusion du saut maudit. Il peut se substituer à un matériel, donc comme le roi des marais. Et lui, si on l'invoque sur le terrain, on peut invoquer spécialement un monstre fusion ténèbre, attention, un ténèbre, en utilisant ce monstre et un autre monstre du terrain. Alors c'est une invocation spéciale, donc vous ne pourrez pas faire de monstre reborn sur les monstres en question. On va jouer 2 fois la lumière fusion du saut maudit. C'est exactement la même chose, mais ça permet d'invoquer des monstres lumière. Le roi musicien étant roi, un monstre lumière, c'est pas mal. Dans la mesure où nos monstres n'ont pas vraiment d'effet très intéressant, on va jouer Patrouille Colonie de Chrome. Tant que cette carte est en position d'attaque face recto, les monstres de minimum niveau 5 invoqués spécialement sur le terrain ne peuvent pas activer leurs effets. Donc on va un peu se protéger quand même, parce que nous on va pas mettre des monstres très cheatés, donc on va jouer 8 en x3. 2 petits rajouts, puisque nos monstres n'ont pas d'effet. Alors tous les ténis peuvent passer, hein. J'ai juste pris ceux-là parce que je les aime bien. Si on ne contrôle aucun monstre à effet, on peut le spé. Bon, accessoire, on s'en fout un peu. Lorsqu'il y a une attaque qui est déclarée impliquant notre monstre face recto qui n'a pas d'effet et un monstre face recto d'adversaire, on peut bannir cette carte depuis main ou cimetière et jusqu'à la fin de ce tour, le monstre de l'adversaire perd 1500 d'attaque. C'est un peu comme une sorte d'ange de l'EOT. Donc on attaque roi musicien, on bannit cette carte de notre main et le monstre de l'adversaire perd 1500 d'attaque. Ça peut surprendre. En x1, en plus il peut se tuto avec sorcière de la forêt noire. Shtana. Alors même principe, on peut spé si on n'a pas de monstre à effet. Et même principe, si jamais il y a un ou plusieurs monstres face recto qu'on contrôle qui n'ont pas d'effet, qui sont détruits au combat ou par effet, on peut le bannir, donc depuis main ou cimetière, puis cibler un de ces monstres détruits, respé le monstre, puis on peut détruire un monstre contrôlé par l'adversaire. Il est quand même fort, c'est une bonne protection. Au niveau des magies, on va jouer 2 dés imprévus pour spé Dame de la Foi. Donc si on ne contrôle aucun monstre. 2 polymérisations, 2 fusions magicalisées, ça nous permet d'invoquer par fusion un monstre fusion magicien, attention, on fait attention, c'est magicien, en bannissant les matériels depuis terrain ou cimetière. Donc c'est bien, ça permet de recycler le cimetière. Déploiement fusion, on réveille un monstre fusion de l'extra deck, par exemple roi musicien, et ça nous permet de spé soit Dame de la Foi, soit Sorcière de la Forêt Noire, puisque le nom est spécifiquement listé dessus. Ça nous donne confusion, mais bon, c'est pas grave. On va jouer en x3. Une petite excentricité, mais j'aime bien, de la griffe d'Hermocrate. On envoie un monstre depuis notre main au terrain au cimetière, du type d'un qui est sur un monstre de fusion qui peut se spé avec. Donc ce sera dragon ou magicien. Et ensuite, on se paye le monstre de fusion. Ouais. Et le monstre de fusion, ensuite, il s'équipe un autre monstre. Voilà. Ça demande beaucoup de ressources, mais ça fait des fusions intéressantes. On va jouer en x1. Fusion de combat, qu'on va jouer en x2, c'est une magie rapide. Notre roi musicien n'a pas beaucoup d'attaques. Donc ça, c'est un peu l'ange de loyauté des monstres fusion. Parce qu'il y a une attaque qui implique un monstre de fusion, et
qui est déclaré et un monstre de l'adversaire. Jusqu'à la fin de la dommage step, le monstre qu'on contrôle gagne une attaque égale à l'attaque du monstre de l'adversaire. On peut l'activer qu'une fois. Donc c'est vraiment un jeu de x2. Arme de fusion, équipable uniquement à monstre fusion de max niveau 6, il gagne 1500 attaques défense. Roi musicien est niveau 5, donc c'est bien. On va jouer qu'en fois 1 quand même, hein, faut pas déconner. Dracobac, le dragon chevauchable, équipable uniquement à monstre qu'on contrôle. Tant que cette carte est équipée à un monstre qui n'a pas d'effet, vous pouvez cibler une carte contrôlée par l'adversaire et la renvoyer à la main. En fois 1, c'est pas mal aussi ça. Perfection sans défaut de Tenii. Tous les monstres qui n'ont pas d'effet sur le terrain ne sont pas affectés par des effets de monstres. Une fois par tour, si notre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres à effet, tant qu'on contrôle un monstre face verso ou un monstre qui n'a pas d'effet, sauf durant la dommage step, on peut piocher deux cartes. Ça va être notre moteur de pioche. On va jouer en x2. En vérité, j'hésite même à jouer en x3. Monster Reborn, bah, on revient pas dessus. Un petit primo de Damarpi, vous pouvez jouer tourbillon jumeau, hein, ça marche aussi, on peut se défausser. Raigeki, vous pouvez jouer trou noir si vous trouvez ça trop fort. Point du sans égal du Tenii. Alors là, on va jouer des contre-pièges. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, tant qu'on contrôle un monstre face recto qui n'a pas d'effet, annulez l'activation. Alors ça ne détruit pas, mais bon, c'est pas vrai quand même. Et en plus, si jamais cette carte qu'on avait posée, elle est détruite par un effet de carte de l'adversaire, on peut spé un monstre qui n'a pas d'effet depuis notre extra deck. On va jouer en x3. C'est assez facile. Fusion paradoxe. Lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués spécialement ou qu'une carte magie piège est activée, on bannit un monstre de fusion face recto qu'on contrôle, on annule l'invocation ou l'activation, et si on le fait, on détruit la carte. Et ensuite, durant notre deuxième end phase, on renvoie le monstre de fusion banni sur notre terrain en position d'attaque. Voilà. C'est pas mal. En fois 1 cependant, parce que bah, il nous faut quand même notre monstre de fusion. Hein. Et une petite fusion nécro, donc voilà, pour faire une fusion directement en bannissant les monstres depuis le cimetière. Attention, il ne peut pas attaquer ce tour. Alors, le roi musicien, donc comme je disais, pas des grosses stats, donc c'est pour ça qu'on joue des cartes pour le booster, pour le protéger, etc. 1750. On va jouer en x2. Sandwich, il demande Sangan, qu'on peut remplacer avec les ténèbres, redémarrer, etc., etc. Et une sorcière de la forêt noire. On va jouer parce que déploiement fusion, il nous faut quand même réveiller une carte de notre extra deck. Et si on a fait nos 3 musiciens, on pourra quand même spé une sorcière de la forêt noire. Et il y a 2100 d'attaque, donc des fois on va préférer. mais vous pouvez jouer 3 rois musiciens et un seul sandwich. Hein. Là j'ai joué en x2. Ce qu'on peut faire avec la griffe d'Hermocrate, c'est l'épée de dragon noir aux yeux rouges. Donc c'est si on fait la griffe et un dragon. On va l'équiper, lui, et le monstre équipé va gagner 1000 d'attaque et 500 d'attaque défense pour chaque monstre dragon sur le terrain et dans les cimetières. C'est pas mal. Enfin, ça peut être pas mal. Si jamais on le fait avec un magicien, ça fait marteau de magie temporelle. Lui, c'est pareil, il va s'équiper. Et au début des dommages steps, s'il combat un monstre de l'adversaire, on peut lancer un dé à 6 faces et bannir le monstre adversaire jusqu'à la stand-by phase du tour N après activation de cet effet. N étant le résultat du dé. C'est pas mal. Alors, le dragon ultime aux yeux bouilleux, c'est le monstre que j'ai choisi pour être spé si jamais notre contre-piège Tenii est détruite. On peut spé un monstre sans effet. Ça fait un beau bébé. Dragon fusion venin affamé, deux monstres ténèbres sur le terrain. Si invoqué par fusion, jusqu'à la fin de ce tour, on peut lui faire gagner une attaque égale à l'attaque d'un monstre invoqué spé de l'adversaire. Une fois par tour, on peut cibler un monstre de minimum niveau 5 contrôlé par l'adversaire jusqu'à la end phase. Et le nom de cette carte devient le nom d'origine du monstre et les effets deviennent ceux du monstre. Et si cette carte invoquée par fusion est détruite, on peut détruire tous les monstres invoqués spécialement de l'adversaire. Il est pas mal. Enfin, il est pas mal, hein. On pourra le faire qu'avec une polymérisation. Ou fusion nécro. C'est pas le but du deck, mais il est pas mal. Mysterion de dragon... couronne. Un monstre magicien et un monstre dragon. Donc ça va, vu qu'on a les veilleurs. Il ne peut pas être utilisé comme matériel fusion, attention. Cette carte perd 100 d'attaque pour chacune de nos cartes bannies. Donc c'est vraiment pas la meilleure, mais il peut être utile selon certains decks. Si un monstre utilise son effet pour invoquer spécialement lui-même ou un autre monstre avec un même type d'origine, sauf durant un dommage step,
On peut cibler un de ces monstres à votre XP, le bannir et aussi bannir tous les monstres du terrain avec les mêmes types d'origine. Voilà. J'ai peut-être perdu certaines personnes, dont moi, mais il peut être bien. Le magicien quintette. Alors, 5 monstres magiciens. Ça, c'est faisable. Uniquement invocable par fusion. Et si invoqué par fusion en utilisant 5 monstres magiciens de noms différents, on peut détruire toutes les cartes contrôlées par l'adversaire. Alors ça va être plus compliqué, parce que 5 de noms différents, à moins d'avoir utilisé des fusions, c'est impossible. Mais bon, c'est un monstre à 4005. Et elle ne peut être ni sacrifiée, ni être utilisée comme matériel fusion, et elle peut pas être détruite par effet de carte. Donc, c'est pas mal. Alors, le grand magicien, double sorcier, je sais pas quoi, traduction panda, s'il te plaît. Lui, il nécessite 2 monstres qui n'ont pas d'effet. Il gagne une attaque égale à l'attaque combinée de ces monstres si son rituel fusion synchro utilise ou gagne. Si cette carte peut attaquer directement, et si cette carte est détruite au combat ou par effet, on peut cibler un de nos monstres qui n'ont pas d'effet, qui est banni ou dans le cimetière, et le spé. Voilà, il peut être pratique puisqu'il peut attaquer directement. C'est surtout pour ça que j'ai rajouté. De toute façon, là, ce que je rajoute, c'est vraiment au cas où. Le dragon pendu aux yeux runiques. Alors, c'est peut-être lui le plus fort de l'extra deck. Hein. Dragon pendu aux yeux impairs, donc on va remplacer avec Croix des Marais ou un saut maudit. Hein. Et un monstre de type magicien. Alors, le début, on s'en fout parce que on n'a pas de pendule. Selon le niveau d'origine du monstre utilisé comme matériel fusion qui n'était pas dragon pendu aux yeux impairs, on a des effets. S'il était max niveau 4, durant chaque battle, cette carte peut faire max 2 attaques sur des monstres. Et s'il était minimum niveau 5, il peut en faire 3. Donc bon, un monstre à 3000 qui peut taper 2 fois des monstres, c'est pas mal. Kossit l'invoqué. Alors, Alistair, on va le remplacer. Et un monstre haut. Donc, roi des marais. Non destructible par des effets de cartes de l'adversaire. Notre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de cartes. Cette carte peut attaquer tant qu'elle est en position de défense face recto si le feu en applique son attaque pour le calcul des dommages. Voilà, c'est un peu spécial, mais ça peut nous servir. Le magicien du temps du lendemain. Demande magicien du temps, donc ça, on prend un substitut, et un monstre à effet. Une fois par tour, tant qu'on contrôle cette carte invoquée par fusion, on peut jouer à pile ou face. Et on va détruire autant de monstres sur le terrain que possible. Donc ça, c'est dans tous les cas. Hein. Et si on le fait, on inflige des dommages égaux à la moitié de la somme des attaques d'origine des monstres face recto détruits. Si on a gagné à pile ou face, c'est l'adversaire qui reçoit les dommages. Sinon, c'est nous. Mais dans tous les cas, on détruit tout le monde. Hein. Carrément optionnel, mais c'est vraiment au cas où. Numéro 75, ombre de l'obobineur de rumeur. 2 ou plus monstres de niveau 3. Une fois par tour, lorsqu'un monstre de l'adversaire active son effet... Effet rapide, on peut détacher 2 matériels, l'effet activé devient chaque joueur pioche une carte. Voilà. C'est une négate, mais c'est pas une négate trop forte, donc c'est pour ça que je me suis permise de la mettre. Il y a 2006 de dev, donc si vraiment on a une main horrible, dès imprévu, on se paie dame de la foi, on norme une autre dame de la foi et on fait lui. Voilà. On sait jamais.